en manchette aujourd'hui. 25 municipalités du comté de Berthier se partageront 8 millions de dollars afin d'effectuer des travaux au niveau des infrastructures municipales. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 7 juillet. On va débuter ce bulletin par la suite des informations concernant le dernier conseil municipal à la ville de Berthierville. On rappelle que les élus, profitant de leur première séance mensuelle en présentiel depuis septembre dernier, donc, les élus de la ville ont adopté, entre autres, une résolution renouvelant pour 4 années le contrat de la brigadière scolaire, Mme Nathalie Dubé. Selon l'entente, la liant avec la municipalité, c'est-à-dire son entente qui la liait avec la municipalité, elle a pris fin le 30 juin dernier, il fallait donc renouveler le contrat. Son travail, rappelons-le, consiste à sécuriser la traverse des enfants au coin de l'avenue Gilles-Villeneuve et de la rue Saint-Viateur, donc tout près des écoles primaires. Elle est en poste les journées scolaires, donc les journées d'école, entre septembre et juin. Le nouveau contrat prévoit un versement mensuel de 875 $ pour l'année 2021, l'année 2021-2022 et l'année 2022-2023. Le montant versé passera à 900 $ par mois pour les deux dernières années de l'entente. On écoute un extrait de la mairesse à ce sujet. La première résolution de cette Assemblée a été celle du renouvellement du contrat de la brigadière scolaire pour les 4 prochaines années, soit jusqu'en 2024-2025. Ainsi, Mme Nathalie Dubé, pour les années 2021-2022, 2023 et 2024, recevra une allocation mensuelle de 875 $ et pour les deux dernières années, le contrat sera de 900 $ pour la période de septembre à juin de chaque année. J'ai donc été autorisée avec la directrice générale à signer pour et au nom de la ville le dit contrat. On passe maintenant au camp de jour de la ville de Berthierville. La ville de Berthierville signera en effet une entente distincte de celle déjà ratifiée avec la commission scolaire des Samars concernant l'utilisation des écoles primaires, et ce pour ces camps de jour. Une entente est déjà en vigueur pour l'utilisation de locaux scolaires, par exemple les gymnases, durant l'année. La commission scolaire souhaitait, semble-t-il, un protocole spécifique concernant les camps de jour, donc ce qui sera fait sous peu. On écoute un autre extrait de Mme Nantel. Par la suite, et considérant le protocole d'entente intervenu en 2010 entre la commission scolaire des Samars et la ville de Berthierville pour l'utilisation des équipements récréatifs et communautaires scolaires, nous avons procédé à la signature d'une entente spécifique pour l'utilisation des écoles primaires aux fins des activités du camp de jour pour l'été 2021, entente avec le Centre de services des Samars, duquel j'ai été aussi autorisée avec la directrice générale, Mme Dubois, à signer pour et au nom de la ville l'entente en cause. Poursuivons maintenant avec le 350e anniversaire à Berthierville. La ville de Berthierville se prépare en effet à souligner son 350e anniversaire de fondation. Lors de la séance de juillet tenue lundi soir en présentiel, les élus ont accepté la soumission de Rodéo Communication du groupe Kiwi à Joliette en lien avec la conception de 12 panneaux d'interprétation historique qui seront éventuellement installés à différents endroits de la municipalité. Le contrat se chiffre à près de 14 000 $. La ville recevra une subvention via le programme Pacte rural de la MRC, une subvention de près de 13 000 $ pour la réalisation de ce projet. On écoute encore une fois Mme Nantel, cette fois au sujet de ce 350e à venir. Le conseil a aussi octroyé à la compagnie Rodéo du groupe Kiwi
Le contrat de conception de fourniture de 12 panneaux d'interprétation historique au coût de 13 945 $. Il est à noter que nous avons une aide financière de 12 884 $ dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales. Ces panneaux seront installés en façade de l'Hôtel de Ville, dans les parcs Gilles Villeneuve, Bellevue, Sainte-Geneviève, ainsi qu'au Belvédère Jacques-Lavallée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des fêtes du 350e de la Ville. Nous tenons ici particulièrement à remercier M. Gilles Tessier, éditeur de la revue Berthelaise, pour sa précieuse collaboration au contenu de ces panneaux. Une bonification de plus de 8,4 millions de $ est accordée à plusieurs municipalités du comté de Berthier. C'est pour une amélioration des infrastructures municipales. En effet, dans le cadre de la bonification du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour 2019-2023, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, ainsi que la députée de Berthier, ministre responsable de la région de la Naudière, Caroline Proulx, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 8 407 763 $ permettra à 25 municipalités de la circonscription de Berthier d'effectuer des travaux sur leur infrastructure municipale. On vous donne quelques exemples. La Valtrie recevra 1 573 000. 433 125 $ seront versés à la Noret, 390 457 $ à Berthierville, 274 851 $ à Sainte-Geneviève-de-Berthier, 257 912 $ à Saint-Ignace-de-Loyola, 174 381 $ à la Visitation de l'Île-du-Port, 253 779 $ à Saint-Barthélemy et 246 853 $ à Saint-Cuthbert. Une somme de 201 157 $ ira à Saint-Norbert. Et ça se poursuit comme ça pour l'ensemble à 25 municipalités du comté de Berthier. Cet investissement, donc un investissement majeur, s'inscrit dans la volonté du gouvernement de stimuler la relance économique dans toutes les régions du Québec en soutenant la réalisation de projets qui répondent aux priorités municipales. Les sommes leur permettront de financer encore plus de travaux d'infrastructures municipales, notamment des infrastructures liées à l'eau potable, au traitement des eaux usées, à la voirie locale, etc. Soulignons que le ministre Laforêt a annoncé le 5 juillet dernier une bonification de la contribution du gouvernement du Québec, donc, de l'ordre de 96 millions de $, une contribution équivalente à celle déjà confirmée par le gouvernement du Canada. Ainsi, près de 1 milliard de $ seront ajoutés à l'enveloppe de ce programme qui est maintenant de plus de 4,4 milliards. Caroline Proulx souligne « C'est pour moi une grande fierté d'annoncer aux municipalités de Berthier la part importante qui leur revient dans le cadre du programme de la TEC, c'est le programme qu'on a parlé tantôt. Notre gouvernement se mobilise et déploie les grands moyens afin que soient mises en place des infrastructures municipales de qualité chez nous et dont la réalisation vient appuyer la vitalité économique de la circonscription de Berthier. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de l'été. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins,
sandwichs, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir. P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands! En ce 7 juillet, les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Donald Murphy et à Hélène Caillé. Le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite un heureux anniversaire à Fernand Gélina de Saint-Barthélemy et l'Association des personnes handicapées de Berthier souhaite un heureux anniversaire à Kevin Mailloux. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations, toujours au niveau municipal, mais cette fois on se tourne vers le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola. Les élus municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola ont tenu en présentiel leur séance mensuelle, celle du 6 juillet. L'assemblée s'est déroulée au sous-sol de l'église de la municipalité, et une vingtaine de citoyens ont assisté à la rencontre, une rencontre qui a duré presque 2 heures. Lors de la période des questions, une dame a demandé, en prenant le micro, aux élus s'ils comptaient se représenter aux prochaines élections municipales, donc celles de septembre prochain. Déjà, le maire Jean-Luc Barthe avait laissé entendre qu'il sera sur les rangs, souhaitant terminer le dossier de la salle communautaire et celui du chalet des loisirs, deux importants dossiers à Saint-Ignace. Deux dossiers qui, a-t-il dit, lui tiennent particulièrement à cœur. Puis, à tour de rôle, les conseillers municipaux Ray Grégoire, district numéro 1, Pierre-Luc Guertin, district numéro 2, Christian Valois, au district numéro 3, Gilles Courchaine, au district numéro 5, et Louis-Charles Guertin, au district numéro 6, ont confirmé donc, chacun à leur tour, leur intention de se représenter. Seul le conseiller du district 4, Daniel Valois, a laissé planer le doute quant à sa décision. La date marquant la fin des mises en candidature étant en septembre, pour l'élection, tantôt j'ai dit en septembre, mais c'est début novembre, donc il a dit vouloir attendre au moment de la fin des mises en candidature pour confirmer sa décision, donc une décision à venir. On poursuit maintenant avec le domaine culturel. On parle d'un artiste présent à la chapelle des Cuthbert de son vernissage. L'artiste lanaudois Thibaut Quinchon présentera son projet sur les traces du paysage sonore à la chapelle des Cuthbert. Le vernissage de cette exposition aura lieu ce vendredi 9 juillet de 17h à 19h30. Voici un extrait de l'entrevue que l'artiste nous a accordée il y a quelques jours. On l'écoute. Le projet, c'est dans le fond un projet de recherche et de création sur le patrimoine sonore, sur tout ce qui a fait le paysage sonore acoustique de Berthierville et de ses environs. Donc on retrace les années précédentes avec des personnes plus ou moins âgées pour savoir qu'est-ce qui a fait l'identité acoustique ou l'empreinte sonore, comme on dit, de la région. Je sais que j'ai déjà entendu des personnes parler des alarmes d'usines qui permettaient de donner des signaux et de passer des messages dans la ville. Puis c'est tout ce genre d'éléments-là
auquel je m'intéresse. OK. Le juillet, je vais être en installation, donc je vais être sur place pour mettre mes speakers, installer des choses en fait, puis créer peut-être un espace. Ça va être dans à l'étage de la chapelle des Cuthbert, dans le fond, où il y a les poutres, puis tout ça, puis on va pouvoir essayer de créer une ambiance qui va nous faire revenir dans le passé, dans le fond. OK. Un artiste sonore, c'est... tout est dans le mot, c'est sûr, mais c'est un artiste qui se sert des sons pour la création. Ça peut être plein de choses. C'est très vague, en fait. À la limite, on pourrait quasiment envisager qu'un musicien est un artiste sonore. Okay. Mais c'est moi, en tout cas, en particulier, je m'intéresse à tout ce qui est qu'on pourrait nommer de bruit ou le paysage sonore aussi, beaucoup, en fait. Donc, c'est tous les sons. Moi, ce qui m'intéresse, puis je peux voir des... Souvent, on dit qu'on peut voir des couleurs dans le son, tout ça. Puis j'essaye de réfléchir à qu'est-ce qui définit l'identité sonore. Je la sculpte avec plein de processus différents, que ce soit en diffusion ou en traitement numérique, puis tout ça. Puis je peux faire des créations qui sont pas figées. On a beaucoup l'habitude de l'art visuel qu'on peut voir, qui est palpable. Puis là, c'est toujours un peu abstrait, le son. Mais il faut s'imaginer que c'est une œuvre qui est dans l'air, un peu. Elle se diffuse dans l'air, maintenant, je pourrais dire ça comme ça. Je fais une dissociation, et puis toute ma démarche se concentre sur mettre en lumière la diversité des paysages sonores au Québec. Donc, je fais justement des projets de résidence dans des lieux comme ça, à la chapelle des Cuthbert ou ailleurs. Je fais des documentaires sonores où je vais sur les lieux. Des fois, je rencontre plus ou moins les gens, mais je vais faire des enregistrements, je vais passer mon temps dehors à enregistrer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait l'identité de la région, qu'est-ce qui l'a fait aujourd'hui. C'est un peu comme une étude sociologique aussi à travers le son. Il y a plein de choses qui se mènent là-dedans. Et après, comme je disais, que je peux sculpter cet univers-là, reprendre les enregistrements, puis mélanger les choses. On dit des fois qu'on fait de la cuisine, on fait du mixage. Donc on met une pincée de ce son-là, une pincée de ce son-là, puis on en fait un mélange comme ça. Et donc là, pour cet été, ça va être mon projet sur l'identité sonore de la région à Berthierville, dans le passé. J'habite dans le nord de la Naudière, donc la Matawini, depuis pas si longtemps, où j'ai déjà fait un projet de documentaire dans la Matawini. Puis j'ai essayé de prendre le temps, quand je pouvais, de venir ici déjà, aller faire des enregistrements à Berthierville, à la période de migration aussi, qui est, c'est sûr, au Québec, et surtout proche du fleuve, qui est très importante, qui marque l'imaginaire et le quotidien des gens. C'est ça. Donc, je suis déjà venu, mais j'ai besoin d'en savoir plus et de passer plus de temps ici pour comprendre l'identité sonore. Exact. Puis plus aussi aux personnes de Berthierville, parce qu'on cherche des personnes pour nous raconter des histoires. Justement, en fait, je cherche, pour être plus précis, que je puisse rencontrer, discuter avec eux, faire des entrevues. Puis aussi, si les gens ont des objets à partager, de vieilles radios, des anciens haut-parleurs, tout ça, qui puissent alimenter d'un point de vue visuel l'installation sonore. Moi, après, je vais faire jouer des sons dans ces objets-là. Okay. Puis pourquoi pas des photos qui indiquent des souvenirs sonores, des objets, tout ce qui peut vous faire penser à votre histoire, gens de la région. C'est le bienvenu, on cherche beaucoup ça. Puis pour me contacter, dans le fond, il y a mon numéro de téléphone que vous pouvez me joindre, qui est le 438-398-9984. Et j'espère vraiment avoir l'occasion de parler avec vous. Puis comment ça fonctionne pour les sons? Est-ce que c'est les gens qui vous amènent des sons? Comment est-ce que c'est, parce qu'on s'entend, des sons, c'est dur à expliquer. Oui. Donc comment... Voilà, donc c'est à venir, l'inauguration de l'exposition sous peu. Côté policier maintenant, la Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude téléphonique qui touche la région, de la grande région là, du Grand Joliette. Actuellement, ce sont plus de 7 dossiers qui sont enquêtés par les policiers. Un citoyen reçoit un appel téléphonique d'une personne qui prétend être un employé d'une institution financière qui l'informe qu'il a été victime de fraude. Celle-ci demande ensuite aux citoyens de mettre dans une enveloppe des cartes de crédit et cartes de débit avec leur numéro d'identification personnelle et lui indique qu'un employé de l'institution financière passera afin de récupérer l'enveloppe. Il demeure ensuite en ligne avec le plaignant alors qu'un complice se présente à la porte, récupère l'enveloppe. À noter que le nom de l'institution financière apparaît sur les afficheurs. Même si le numéro est frauduleux,
et que si les gens téléphonent au numéro en question afin de vérifier, le fraudeur répondra en nommant l'institution financière. Description des suspects. Le suspect numéro 1, homme blanc, peau foncée, 35 ans, 1,65 m, 68 kg, cheveux noirs, crépus avec une toque. Suspect numéro 2, femme blanche, 30 ans, 1,68 m, 54 kg, cheveux bruns, yeux bruns. Ces appels sont frauduleux. Les institutions financières ne communiquent pas avec les citoyens dans l'objectif de récupérer des cartes bancaires ou de débit avec vos mots de passe. Vous devez faire preuve de prudence lorsque quelqu'un prétend travailler pour une institution financière. Quelques conseils pour vous protéger. Si vous recevez l'appel d'une personne que vous ne connaissez pas, demandez toujours le nom de cette personne et de l'entreprise qu'elle représente. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de la compagnie ou du service public qui vous a contacté sur votre relevé de compte ou sur un site web sécurisé, donc un site débutant par https://// et le nom du service, et vérifiez l'authenticité de la demande qui vous est adressée. Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels ou applications pour tromper leurs victimes. Ne donnez pas de renseignements personnels sur vos informations bancaires au téléphone, sauf si c'est vous qui téléphonez et que le numéro provient d'une source sûre. Ne placez jamais vos cartes de crédit ou bancaires dans une enveloppe avec votre numéro d'identification personnelle afin qu'elles soient récupérées par quelqu'un. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264. Si vous êtes victime de fraude, nous vous invitons à contacter votre poste de police locale ou encore le Centre antifraude du Canada, 1-888-495-9501. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com. Sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHC Le Château de Berthier, le 1er juillet, à 103 ans et 2 mois, est décédée Mme Thérèse Roberge, épouse de feu Germain Fafard, demeurant Berthierville, native de Saint-Cuthbert.
Lui a précédé son fils André, sa fille Suzanne, épouse de feu Jean-Claude Vadnais. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Damien Fafard, feu Madeleine Cartier, et sa conjointe Claire Turner, Nicole Fafard, feu Alain Finlay, Francine Fafard, Jacques Sarrazin, Daniel Fafard, France Vachon, Serge Fafard, Odette Champagne, Carmen Fafard et Al Vertefeuille, Madeleine Fafard, Daniel Rousseau, Claire Fafard, Alain Plante, ainsi que 20 petits-enfants, 35 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3B du château de Berthier pour les bons soins accordés à leur mère. La famille accueillera parents et amis dimanche 18 juillet à l'église de Saint-Cuthbert de 13h. Suivront les funérailles à 15h. Mme Robert sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Entouré des siens le 26 juin dernier, à 74 ans, est décédé M. Alain Rousseau, époux de Francine Morel, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. La famille accueillera parents et amis le 9 juillet, vendredi, en l'église de Saint-Cuthbert, à 13h30. Suivront les funérailles à 15h30. M. Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHSLD, l'Assomption, le 18 juin dernier, décédée Mme Jacqueline Gagnon, épouse de feu Victor-Olivier Tarte, natif de Saint-Gabriel-de-Brandon, demeurant à l'Assomption. La famille accueillera parents et amis le 9 juillet, vendredi, au complexe Thériault à Berthierville, dès 9h30, suivront à 11h30, les funérailles à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Mme Gagnon sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 janvier, à l'aube de ses 71 ans, est décédé M. Roland Nantais, époux de Joanne Desrosiers, demeurant à La Veltrie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille, Roxane Nantais, Simon Forêt, ses petits-enfants, Thomas et William Forêt, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 17 juillet, en l'église de Lanoraie de 13h, suivront les funérailles à 14h. On passe maintenant à la météo. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, pour la météo d'aujourd'hui. Alors, pour cet après-midi, on annonce une température de 22 degrés avec un ressenti de 23. Ça va être ciel variable et ça va se poursuivre ainsi tout au courant de la journée. Donc, ciel variable encore en soirée avec une température de 19 degrés avec un ressenti de 19. Et pour cette nuit, 14 degrés avec un ressenti de 13. Pour demain matin, par contre, on passe d'un ciel variable à un ciel nuageux avec des possibilités d'averses avec une température de 15 degrés avec un ressenti de 14. Et pour demain après-midi, ça va être une température de 20 degrés avec un ressenti de 22. Et là, la pluie va être un peu plus abondante. Vraiment, on parle d'une vraie bonne pluie, non pas moins d'un millimètre comme le matin, mais plutôt environ 10 millimètres de pluie demain après-midi. Donc, ça va être quand même beaucoup de pluie. Donc, ne prévoyez rien niveau pique-nique ou sortie extérieure. La qualité de l'air est bonne, les niveaux de UV est bas et le pollen est modéré. Et pour les maringouins, ils sont présents en quantité élevée, les mouches à chevreuil sont présentes en quantité modérée et les mouches noires sont présentes en quantité faible. Donc, merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles. Au revoir et bonne fin de journée.